cooking, kissing, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. Salut les copines. Oui, je me recoiffe avant de reprendre l'appareil photo. Aujourd'hui on est mardi, j'ai toujours mes pustules mais c'est beaucoup moins flagrant quand même, hein. Pourtant j'ai pas mis de fond de teint du tout. Aujourd'hui on est mardi 15 mai, c'est une journée où je travaille que le matin. Et heureusement parce que j'ai rendez-vous à 13h30 à la mairie, vous savez, pour le suite à au vol de mon sac à main. En fait j'ai ma pièce d'identité à refaire et tout ça. Et c'était il y a un mois quasiment, j'ai pris rendez-vous et c'était, il y avait trois semaines de délai entre tous les jours fériés et tout ça, c'était pas très très bien tombé. Donc j'y vais à 13h30, du coup je me suis apprêtée un peu parce que je me suis dit que avec un peu de chance je pourrais reprendre une petite photo d'identité, parce que l'autre elle était vraiment juste hideuse. Et puis bon, c'est quand même des papiers d'identité qu'on garde à vie normalement ou très longtemps, au moins 10 ans, et voilà, j'avais envie d'être à peu près potable, donc je vais voir si je peux pas vous refaire une photo. Au pire des cas c'est pas grave, tant pis, je garderai ma photo pourrie toute moche. Mais voilà, je me suis dit avec un peu de chance, si j'ai le temps, j'irai me faire une photo d'identité qu'ils pourront accepter. J'espère qu'ils pourront l'accepter, parce que comme j'ai validé le truc sur internet, ça se trouve une fois qu'on a validé c'est trop tard. Enfin bref, donc aujourd'hui j'ai ça à faire, donc 13h30 rendez-vous à la mairie pour faire ma pièce d'identité. Du coup après je pourrais enchaîner permis, carte vitale, enfin tout ce qui avait besoin d'une pièce d'identité évidemment pour refaire ces papiers. Et après je voudrais faire 2-3 papiers à la maison, enfin surtout 2-3 rangements de papiers, style fiche de paye et tout ça. Parce que comme je suis en train de faire les papiers de la retraite du père de Chouchou, j'ai peur de manquer de mes fiches de paye à moi et d'être dans le caca plus tard. Donc je me dis que là j'ai pas mal de papiers à ranger, il faut que je le fasse absolument parce que ça va être le why. Et après il faut que je gère les papiers de mon beau-père, puisque j'ai pas fini encore ces papiers pour la retraite. Ils ont encore reçu un dossier apparemment à remplir, donc ils sont un petit peu en panique. Moi je panique pas du tout parce que je sais comment ça se goupille, donc ça va. Mais voilà, du coup j'ai des coups de fil à passer encore et je vais avoir une journée un peu complète. Ça va être une journée on va dire administrative et en même temps... vous savez, ça c'est les journées que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas. Vous savez, c'est les journées où vous êtes obligé de prendre tous vos rendez-vous là parce que de toute façon le week-end c'est fermé. Et puis la semaine vous travaillez tout le temps. Donc en fait, je suis obligée de faire ça aujourd'hui, sinon c'est mort. Je pourrais pas le faire du tout de la semaine. Et c'est ça qui m'embête dans le fait de travailler autant de temps. Enfin, sur ces horaires là, parce que pour le coup, j'ai pas les horaires évidentes au niveau administration. Enfin, voilà. À part appeler très tôt, et puis là c'est même pas dit que j'ai quelqu'un, parce que tout le monde en général appelle très tôt pour être tranquille après. Ou appeler entre midi et deux, mais là c'est pareil, c'est soit ils sont en pause, soit ils sont en effectif réduit, soit, enfin bref, c'est chiant. Donc voilà, puis alors à 19h30 évidemment tout est fermé, donc voilà, bref. Donc là je suis devant le boulot, comme d'hab. J'ai un balisto et un petit gâteau comme ça à manger. Ça vient de mes dernières courses que j'ai effacées par mes gardes et dont j'ai bien les boules. J'ai vu aussi, fallait que je vous parle de 2 trucs, si vous avez des conseils ou des idées ou des... je sais pas. Parce que j'ai vu que mon entourage proche, ou on va dire des gens que je connais, des connaissances, voire des amis, enfin des amis qui ne savent pas, m'ont retrouvé sur Instagram, alors que rien n'est relié à mon compte Facebook, et c'est des gens qui viennent de Facebook en fait. Comment ça se fait? Comment je peux faire pour les bloquer? Comment je peux faire pour qu'ils ne voient pas? Sachant que j'ai dissocié mon compte Facebook. Enfin, j'ai rien qui est associé à ce compte, même pas Twitter. J'ai enlevé Twitter et tout. Alors que, voilà, j'ai même pas mis mon numéro de téléphone ni rien. Et je comprends pas comment ces personnes-là m'ont retrouvé. Si vous passez par là, c'est pas que j'ai pas envie de vous avoir sur YouTube, hein, enfin, ou que vous n'avez pas envie que vous me suiviez. J'ai surtout peur des... vous savez, des moqueries un peu et tout ça. Parce que bon, je sais qu'il y en a qui sont là juste pour se moquer. Enfin, je pense qu'il y en a qui vont beaucoup se moquer. Et j'ai pas spécialement envie de ça. C'est mon plaisir à moi. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, j'ai pas besoin de... enfin, j'ai pas besoin d'avoir vos remarques. J'ai, voilà, j'ai passé l'âge justement des moqueries. Mais ça m'atteint quand même si ça vient de personnes que je connais, évidemment. De gens que je connais pas, enfin, ça ne me dérange pas. Mais des gens que je côtoie ou que je connais, que voilà, que je croise dans la rue, franchement, ça me ferait un peu chier. Parce que ça va très très vite. Après, je suis dans une petite ville, ça va assez vite, quoi. Bref.
Donc si vous avez des conseils pour les bloquer ou ne pas les, enfin voilà, qui ne me voient pas sur Instagram et qui du coup ne devinent pas que j'ai une chaîne YouTube, ça m'arrangerait fortement. Autre chose, je sais plus. Ah oui, Ivana de la chaîne Mademoiselle Glitter m'a apparemment envoyé une carte il y a 3 semaines, enfin pour Pâques, mais pas spécialement pour l'occasion de Pâques, que j'ai pas reçue. Ma petite Ivana, je suis désolée, je peux t'assurer que si je l'avais reçue, t'aurais été la première au courant, mais ben, je n'ai rien reçu. Je suis un peu dégoûtée parce que ben, la poste, voilà, c'est chiant, c'est très très chiant. C'est vraiment très chiant parce que pour le coup, c'est vrai que ben, si on n'attend pas derrière notre boîte aux lettres, ben, c'est pas dit qu'on reçoive notre courrier comme il faut. Il y a plein de choses que je reçois qui ne devraient pas être dans ma boîte, du style le courrier des voisins, etc. Déjà, ça me gonfle fortement. Mais alors, le fait de ne pas recevoir des courriers qui me sont destinés, franchement, ça m'embête fortement. Bon, là, ça va, c'était. Ne prends pas mal, ma petite Ivana, c'était qu'une carte, mais ça aurait pu être un chèque, un truc des impôts, ou je sais pas, quoi que ce soit. Ça aurait été compliqué de rattraper la chose, sachant que ben, si ça tombe chez mes voisins ne me redonnent pas forcément. Vous savez, on n'a pas forcément des voisins tous très honnêtes. Hein. Je dis pas que mes voisins sont malhonnêtes, hein, je dis juste que voilà, ils prennent pas spécialement la peine de me remettre ça dans la boîte aux lettres. Donc je suis désolée de pas avoir reçu ta carte, hein, franchement si j'avais su, j'aurais surveillé la boîte aux lettres de très très près. Donc si toutefois vous avez des trucs à m'envoyer, surtout n'hésitez pas à me le dire. Bon, m'envoyez pas des trucs tous les jours non plus, mais enfin voilà, voilà. Si toutefois vous voulez me faire une surprise ou quoi, on sait jamais, avertissez-moi quand même de l'envoi. De façon à ce que je puisse réceptionner au mieux votre colis. Parce que ben voilà, la poste c'est compliqué quoi. Bref, faut que je mange mes petits gâteaux, que je rattrape mes vidéos YouTube parce qu'hier soir je me suis à moitié endormie sur mon téléphone. J'ai regardé une vidéo. Oh, je crois que je me suis endormie dessus. Donc c'est dramatique, je sais même plus qu'est-ce que c'était comme vidéo. Mais voilà, je sais que je me suis endormie donc je vais forcément la regarder. Et voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Midi, je vais aller me chercher un sandwich à la boulangerie et je pars directement du coup à la mairie parce que bon, il est déjà 1h moins le quart. Le temps que je trouve une place, que je paye ma place de parking, que je me présente, que j'arrive au bon endroit et tout. Moi, je suis capable de me planter 4 fois. Donc je prends mes précautions, je vais me chercher un casse-dalle à du régime avec un casse-dalle. De toute façon, en ce moment, je suis pas spécialement gaffe, je devrais, mais. Voilà, on va passer sur ce sujet qui fâche. Je vais me prendre un petit parisien avec une petite formule, avec une bouteille d'eau. Je fais quand même attention, je prends une bouteille d'eau. Quoique là, j'ai envie de prendre autre chose. Pas crédible du tout, en fait, je suis. Bref, je vais aller chercher mon petit sandwich à la boulangerie et après, faut que j'aille direct à la mairie parce que sinon, je perds du temps, ça va être gaspillé. Et puis, j'ai pas envie d'y aller en courant, quoi. Bon, je vous retrouve dans le parking souterrain de la ville de Biarritz. Donc j'ai été faire ma pièce d'identité, enfin j'ai été à mon rendez-vous. Et je pense que je suis poisseuse, hein. Je dois vraiment avoir quelque chose contre moi, j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Mais je suis allée, j'avais mon dossier complet et le fait que je me sois fait piquer mon porte-monnaie, tout ça, enfin bref, tout, et que j'ai pas de justificatif de comment on appelle ça, de justificatif d'identité, ni passeport, ni permis, ni rien. Bref, en gros, il faut que j'ai une copie intégrale de mon acte de naissance. Donc en gros, j'y suis allée pour rien, encore et encore. Donc ça fait 3 semaines que j'attends ce rendez-vous, ça fait 3 semaines que je bataille, enfin 3 semaines, ça fait 1 mois que je bataille. Et là, on me dit quoi? Faut revenir la semaine prochaine parce que ben, vous avez pas, il vous manque encore un papier. Alors que j'avais tout mon dossier complet. Personne m'a, enfin personne. Il était stipulé nulle part que j'ai besoin de ma d'un acte de naissance quoi. Après c'est vrai que ça paraît logique, mais enfin, chier quoi, chier. Donc en plus pour couronner le tout, hein, je suis pas née sur la côte basque, je suis née en Normandie, donc j'ai plus qu'à à faire la demande sur internet pour que ce soit envoyé. Et j'ai rendez-vous le vendredi prochain, pas ce vendredi là mais le 25 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis dégoûtée, j'ai speedé pour rien, j'ai pris un rendez-vous pour rien, je suis restée 10 minutes dans le truc et elle m'a dit ah ben non, en fait on peut pas, vous avez pas d'acte de naissance. Voilà, je suis deg, je suis vraiment deg.
Bon bah du coup j'ai plus qu'à repartir à la maisonnette. Du coup je vais faire les papiers de mes beaux-parents plus rapidement que prévu. Et puis je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres trucs à faire entre deux. De toute façon faut que je fasse mes papiers à moi aussi. Bon bref, je vous laisse parce que là je suis dans le parking souterrain. J'ai un peu peur de rayer ma voiture, donc je vous reprends tout à l'heure. Je viens de rentrer à la maison, faut que je vous montre quelque chose. Mon chat m'a fait juste un carnage à la maison. Regardez, attention. Tout ça, c'est son griffoir. Voilà, il m'a ruiné son griffoir et il m'en a foutu partout. Ça, c'était le tapis d'éveil de Nolan quand il était petit, je l'ai récupéré à la cave. Et j'en ai partout dans la maison. Partout, partout, partout. Et voilà, et lui, il est content, il aime ça. Hein, hein, t'es content? Ouais, c'est... Ah mon titi, c'est bon ça? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Quoi? Tu check? Non, tu veux pas checker? Tu veux pas que je t'embête surtout? Tu peux te cacher derrière, je te vois. Bon bah du coup, si je savais pas quoi faire, j'ai une tâche de plus à faire à la maison. Je vais téléphoner quand même avant pour la retraite de mon beau-père, comme ça ce sera fait. J'aurai plus qu'à leur annoncer ce qui manque. Pardon, au niveau des papiers. J'ai un truc de bloqué dans la gorge. Puis après, bah, je vais me mettre à mes tâches quotidiennes, hein, c'est-à-dire linge là-bas, vaisselle, je crois qu'il faut que je vide le lave-vaisselle, je crois qu'il est à vider. J'ai du linge à ranger aussi dans les chambres, voilà quoi, la vie continue. Je n'ai pas ma pièce d'identité, mais la vie continue. Si vous avez une question concernant votre demande de retraite par internet, appuyez sur 1. Pour toute autre question, appuyez sur 3. Je suis restée 17 minutes au téléphone avec cette gentille personne pour sa retraite. Oh là là, j'ai pas fini. Hein. Je vous assure, je crois que je suis au début en fait. Parce que quand je l'ai appelé, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à remplir. J'ai dû prendre un rendez-vous obligatoire. Enfin, obligatoire, sinon ça allait retarder sa retraite. Je pense pas que ce soit ce qu'ils veulent. Donc j'ai pris un rendez-vous, mais j'espère que ça va pas les bloquer. J'espère vraiment que ça va pas les bloquer. Et ben voilà, il va falloir faire tous les justificatifs. Un par un à photocopier, ça va être compliqué, ça va être chiant, mais il va falloir le faire. Bon, je vous reprends maintenant. Depuis que je vous ai quitté, je n'ai pas arrêté de téléphoner pour la retraite de mon beau-père. Donc autant vous dire que j'ai du mail, j'ai pas fini et je vais repartir. Enfin là, il faut absolument que j'aille chercher Nolan, donc je vais y aller. Et après, je vais repartir chez les parents de Chouchou pour essayer d'en savoir un peu plus sur certaines périodes parce qu'il m'en manque et apparemment ils ont reçu des papiers en plus, hein, en plus, donc je vais aller le chercher pour voir si ça peut m'aider à finir le dossier. Je suis pas franchement je suis bien, je suis pas si mal que ça dans l'ensemble puisque j'ai pas mal d'infos, mais il me manque quelques petites parties et je pense que ça correspond au chômage et tout ça, mais c'est compliqué, enfin je sais pas comment ils faisaient dans le temps, mais enfin voilà, l'informatique pour le coup ça a vraiment révolutionné le monde de l'administration, parce que pour le coup, enfin, voilà, ils faisaient les fiches de paie la semaine, quoi. Merde, ça me sidère, ça m'impressionne. Et je vous assure, voilà, ça c'est juste ces certificats de travail. Donc autant vous dire qu'il y a un sacré mail et que j'ai pas fini. Mais bon, voilà, je suis sur le bon chemin, on va dire ça comme ça. J'ai pas de chance pour moi, mais j'ai de la chance pour les autres, on va dire. Bon, allez, sur ce, je vais chercher Nolan, je vais aller chez les parents de Chouchou, et après je rentre et faire ma maison un peu, parce que du coup, j'ai pas bougé, enfin, j'ai rien touché à la maison. J'ai même pas rangé mon linge, tout est resté comme tel quel. Bref, je me suis assise, j'ai téléphoné, et je n'ai pas bougé mes fesses de la chaise depuis tout à l'heure, donc il faut absolument que j'aille chercher Nolan, là. Bref, allez, sur ce, à plus tard.
trois serviettes à plier, j'ai plus qu'à tout ranger. Après, j'ai mon aspirateur à faire, mais je sais pas si je le ferai ce soir parce qu'il est déjà 6h. Faut que je fasse à manger, que je termine de laver Nolan, que je finisse de faire le salon. Donc, je vais remettre au moins le canapé en place, ranger mon linge. Je sais pas si je vais pas atteindre Chouchou, je vais voir. Et je vais essayer de monter ce vlog aussi. J'aimerais bien le monter pour que vous l'ayez demain matin, qu'il n'y ait pas trop de décalage du coup. J'aimerais bien. Mais est-ce que je pourrais le faire? Ça, c'est autre chose. Bref. J'ai juste ce petit t-shirt là à Chouchou qui est pas bien sec, alors je vais le laisser comme ça. Bon, il est 21h. Chouchou est couché, Nolan est couché. On l'a bien mangé. La paix, la paix. Ça, c'est Chouchou qui est en train de dire c'est bon, c'est bon. Parce qu'il sait que j'ai repris le vlog. Juste pour m'enquiquiner, comme d'habitude, vous le connaissez. Je pense que vous avez cerné le personnage depuis le temps. Donc là, moi, je vais commencer... Excusez-moi, je vous mets plein de lumière dans la tronche. Je vais commencer à monter mon vlog, enfin ce vlog. Je vais essayer de le monter assez rapidement pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Donc ici, ça s'achève ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !